ses gigots. Elle applique dans son lit des amants gays. Marie vit dans leur génitoire, en vitant de sa vie. Elle a mangé sans rire la fine fleur du mépris. Endeuillé ses épaules et la suite de l'oubli. A écouté sans faille les récits des combats. S'injectant dans les veines des crétins d'Athéna. Dépérit sous les bras, les lourdes confidences. Habitude, Cuba et secrets de violence. A épongé la sueur et l'alcool et la boue. Au taverne où se perdent de parfums. De faiblesse, en l'autre consolation anti, soupçon de cesse, c'est de l'être, c'est oublié, perdu dans ta vie, c'est le système qui va pointer leur queue, la carte de cuisse, la chapitre de cuisse, le valeureux parfum, l'enfer de chagrin, porté dans ton ventre, la paix de la foi, ce jeu de tableau, diversion, princesse d'amour. Loin dans le temps, puisqu'on s'est connus petits au Maroc. On s'est à Casablanca. À l'école. Voilà. Petit. Voilà. Et des sandwichs sans beurre pour aller en pique-nique. Et aussi des emprunts, pamplemousse et kiwi. Quand je serai une fille, je prendrai des talons pour aller en shopping. J'aurai un pain de pêche, une peau délicate. Au-dessus du tailleur, sans peu de linge fine. Et au hasard des rues, j'aimerais pas qu'on me donne. La rencontre qui est aussi une rencontre d'un auteur et d'un musicien, donc effectivement des mots et de la musique. Et c'est à peu près aussi simple que ça. Des mots et de la musique, et de trouver une cohérence, ça c'est l'enjeu de la création, entre ce que le texte raconte et ce que la musique va raconter. Et parfois, c'est passé. Tu vois ? Ahmed dégage des choses comme ça dans son environnement, c'est pour ça qu'il il occupe une place centrale sur la scène, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Aussi, cette interaction dans le passé et dans un ailleurs fait que, effectivement, cette musique-là se retrouve dans par exemple le Nomade, effectivement c'est un morceau qui est assez arabisant, très arabisant, voilà. Mais qui n'est pas seulement qui est pas une spécialité orientale, c'est un clin d'œil à l'Orient et c'est à la fois des éléments de musique orientale mais aussi des éléments de musique occidentale. Dans des coffres corsaires beaux serrés sur le cœur, croix de bois, croix de fer, beau galet qui se roule. Au torrent de l'oubli, mots d'effets déchirés, mots de temps à refaire, mots jaloux qui se jouent, des pavés, des papiers, mots à mots qui s'égrènent, au murmure du réveil sur les toits aux terrasses, terrassés de soleil, mots perdus dans les poches, gonflés sous nos mouchoirs, mots taloches, mots galoches, courant sur les trottoirs. Un jour de mots en bas, on se reparlera. Donc en fait, en ce moment, on est sur un gros travail de mise en scène. On travaille la scénographie, l'occupation de l'espace, les déplacements, l'interaction entre les différents musiciens. T'es obligé d'envoyer les chèvres tout de suite ? Pas du tout. Ah bah prends un peu plus de temps. Vraiment un travail de respiration. L'enchaînement des morceaux, la mise en avant des interactions qui existent au niveau du groupe dans la construction de cette musique et au service de ce propos musical. On pourrait faire ça aussi parce qu'elle fait la mer, alors moi bon, je me mets sur la plage, tu vois, Ce qui est intéressant aussi dans ce morceau, c'est que ce que j'aime bien, c'est que j'interviens aussi au niveau musical d'une manière un peu modeste, c'est juste avec des percussions. Mais ce qui est intéressant, c'est que paroles et musique sont entremêlées et que chacun de nous quatre sur scène sommes au service du même propos dans une cohérence visuelle pour le public. Alors, en général, je dis au kilomètre, Franck prend des notes en sténo et après il synthétise et il écrit. J'écris. C'est comme ça que ça se passe le travail entre nous. Tu vois, c'est pour ça que je suis très complémentaire.
voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le travail. Donc je dis au kilomètre et après lui, il coupe, il fait le travail donc de tu montage. Vas couper toi, vous allez couper. Il fait le montage du propos. Il faisait plutôt soleil sur la plage de sa page. Elle a cédé au sommeil, longueur de passage. À l'approche du crépuscule, une esquisse d'un sourire vint contempler incrédule l'ingénu dormir. Revenant il la couverte avant que le vent l'étreigne de ses lèvres entrouvertes sans qu'elle s'en plaigne. Je passe à la télé. Bonjour maman. Bonjour à la famille. Vous voyez, j'ai réussi, je passe à la télé maintenant. Et ça.